Bonjour à tous, citoyens, citoyennes des étoiles, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ok, aujourd'hui, je vais faire plusieurs petites capsules, ok, sur les mining laser head, sur les têtes de laser, les têtes de minage, ok. J'ai glané plusieurs informations sur plusieurs sites, sur plusieurs vidéos, ok. C'est pas très très facile parce qu'il y en a quelques-uns que, c'est ça, ils disent pas la même chose, mais j'ai essayé d'extrapoler, et puis comme je m'en sers pas tous non plus, je comprends pas tous les mots qui sont écrits, mais je vais essayer quand même de vous faire quelque chose, un résumé concis de chacune des têtes de minage et de ce qu'elle est capable de faire, ok? Les statistiques qui sont particulières, là, dont la distance, maximum range, l'optimum range, et tout le reste, là, je me suis pas occupé de ça. C'est écrit ici, c'est parfaitement comprenable, ok? Il n'y a pas besoin d'être bilingue, de parler anglais pour comprendre ça. Moi, c'est seulement ce qu'elle est capable de faire que je vais vous résumer. OK? Et voilà, je vais commencer les capsules. Il y en a à peu près quelques-unes ici. Et ensuite, je ferai des capsules sur les mining modules. Et voilà, on va commencer, les amis, les petites capsules. À savoir aussi, avant que j'oublie, qu'il y a deux types, ok, de têtes de minage. Il y a les types de minage 1 et 2. 1, c'est pour les prospecteurs. 2, c'est pour les argomoles, les vaisseaux plus gros. Okay? On ne sait pas, il y a un gros vaisseau qui s'en vient aussi là, de minage. On ne sait pas si les 2 ou s'il va y avoir un niveau 3. On ne le sait pas encore. Moi, en tout cas, je ne suis pas encore au courant. J'ai rien lu, j'ai rien vu là-dessus. Là, passer encore. Okay? Alors voilà, on va commencer les petites vidéos. Le Ofsted, je ne sais pas si je le prononce bien, S1 Mining Laser, sacrifie la portée de minage et se concentre sur l'amortissement de l'instabilité d'une pierre pour le rendre plus sûr à exploiter. C'est-à-dire, dans votre barre verte, le fait que ça monte et que ça descend, c'est un petit peu moins... c'est un peu plus stable, voilà. On peut dire ça, les choses comme ça. Voilà.